Salutations. Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction. Rejoignez-nous le plus vite possible. Tout le monde derrière les barricades. Vite, vite. Attention, restez à couvert. Retenez-vous, restez complets. Votre résistance sera minime. Où se trouve la source divine? Allez, parle! Arrêtez! Ne leur faites plus de mal! Où est-ce qu'elle est? Attendez! Attendez! Il y a un plan! L'Atlas! Il vous y mènera! Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. Allez, allez.
Les natifs nous ont repoussés. Croft est avec eux. De nombreux blessés et des cadavres dispersés partout. Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meure leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vaincrons par le sang. Avec moi. Je suis désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Et cet atlas? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Ils ne sont pas préparés à un tel assaut. Je peux les aider, Jacob. Vous voulez le faire pour nous? Ou pour ce que vous recherchez? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé ici. Oui ? Il me faut des bandages, dis-moi. On est mal en point, Jacob. Cette attaque nous a dévastés. Nous n'avons plus personne à envoyer à l'Acropole. Ce n'est pas redevenu normal. Je m'occupe d'abord de... Je vois encore tout flou. Pas étonnant quand on se prend un coup sur la tête. Ou quand le dernier d'entre nous sera mort. C'est ce... On repose entre les mains. Jacob l'a envoyé en éclaireur. J'enverrai un éclaireur quand on sera prêt. On a perdu tellement dans cette attaque. Si seulement tu pouvais voir la vue de ma tante, Lara.
Le chantier est absolument splendide dans la lumière du crépuscule, quand les derniers rayons du soleil viennent frapper les découvertes de la journée. Ensuite, les feux s'allument petit à petit et l'odeur de la viande grillée se répand dans tout le campement. Ils me disent que c'est du cochon d'Inde. Jacob, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes, sous la tour. Et j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. Je vous rejoins dans peu de temps. Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix, maintenant? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps, et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. C'est pas vrai. La tour est sécurisée. Qu'est-ce qu'on doit faire des prisonniers? Liquidez-les! Ne tirez pas! Nous allons...
européens. Va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à la recherche de l'Atlas. Déployez-vous et passez la zone au peine fin. Tuez tout ce qui bouge encore. Et servez-vous plutôt de vos couteaux. Faut qu'on économise les munitions. Ne tirez pas! Nous allons... Déployez-vous et passez la zone au peine fin. Tuez tout ce qui vous endort. Et servez-vous plutôt vos couteaux. Faut qu'on économise les munitions. Ça. Putain, t'en as jamais assez. Oh. Hé hey, vise un peu ça. Pas le temps de s'attarder là-dessus. Dépêche. On devrait prendre le temps. C'est quand même pour ça qu'on est là. Laisse-moi 2 minutes. Allez, on va louper toute l'action. Down there!
oh, attends. Ces enfoirés sont loin d'être cons. Ils ont peut-être posé des pièges. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Bah vas-y doucement. Ouvre l'œil. T'es la suivante. Détache-moi. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Tu as vu cette boucherie? Comment on va se remettre de tout ça? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est... notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. Je peux pas l'ouvrir d'ici. Elle doit être bloquée de l'autre côté. La voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. Les catacombes. On y sera en sécurité. Pile ce qu'il me faut. Ça devrait le faire. Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine, mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre allié. Et ils convergent vers la tour. Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. Thank you.
Terre nous ont pris pour cible. Il faut que vous arriviez à attirer leur attention. De n'importe quelle façon. Pas de problème. Je m'en charge. Bon travail. Ces hélicos seront bientôt à notre portée. Les voilà. On a réussi. Lara, tu es là? La tour grouille de Trinitaire. On est piégés en dessous, dans les catacombes. Bon sang. Tenez bon. J'arrive tout de suite. Thank you.
5. On se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renforts. Bien reçu. On arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non. L'Atlas peut être caché là. Ah, il a raison. On peut pas prendre ce risque. Mais ils vont pas nous faciliter la tâche. Allez, ouvrons cette trappe. On entrera quand les renforts seront arrivés. Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. Anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires.
Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale, dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Lara, si tu vas à la cathédrale, les Trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Tant de violence et de mort. Le peuple de Jacob a traversé tellement d'épreuves. Et pourtant, ils continuent à se battre. Ils sont liés par un serment prêté par leurs ancêtres. Un devoir hérité du passé. Mais tout ce que je vois, ce sont des gens qui veulent vivre en paix. Je pense qu'il est temps pour eux d'enterrer le passé. Si j'arrivais à trouver l'Atlas, il pourrait me conduire à la source divine. Je pourrais l'emporter loin d'ici, et ils n'auraient plus à souffrir. Il pourrait partager le poids de la vérité avec le monde. Mais si tout ça ne mène à rien, je ne sais pas ce que je ferais.